disent que je mens. Bonjour. Bonjour. Pisco m'envoie. Ah, vraiment? Vous dites que vos mensonges vous ont banni? Non, jeune fille. J'ai été banni pour avoir dit la vérité. C'était mon erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devrais dire que je n'ai jamais vu d'étranger. Si personne ne croit la vérité, elle n'a jamais eu lieu. Quels étrangers? Ils sont vêtus de noir et portent des armes étranges. Ils cachent de l'or. J'ai parlé de l'or et des étrangers au culte. Ils m'ont banni pour mensonge. Mensonge. L'or était pour eux. Un jour, l'hypocrisie du culte sera révélée au grand jour. Qu'est-ce que vous faites maintenant? J'ai tout perdu, jeune fille. Mon statut, mon pouvoir, ma réputation. Mais il a fallu que je perde tout ça pour enfin comprendre. Je n'avais ni but, ni vocation. Et vous avez trouvé? Oui. Je sers l'avenir en protégeant le passé. Unuratu et sa lignée sont les vrais dirigeants de Paititi, et pas le culte de Kukulkan. Tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je sais, je le dis à la rébellion. Une noble cause. J'envoie les gens piller les cargaisons d'or qu'apportent parfois les étrangers. Ils n'ont jamais changé de point de livraison. Je crois que vous rendez la vie meilleure pour de nombreuses personnes. Merci de m'avoir parlé, vous m'avez beaucoup appris. Merci, jeune fille. Intéressant, enfin je crois. Tout est plein, je peux plus rien prendre. Par où on passe? Droite. Ce qui va pas dans le jeu, c'est trop comme les anciens quoi. Ah, on peut passer par là, je crois. Pas assez de nouveautés, tout ça. Voilà quoi. C'est un bon jeu. Mais j'aurais bien voulu que ça soit un très bon jeu. Tombeau. On va faire le tombeau du coup. On va voir un peu notre tenue. Cette tenue porte des couleurs alignées de la famille. Un nombre de rebelles porte du bleu en signe de support de rébellion. Le droit de reine de la famille royale permet d'intégrer avec les rebelles, d'interagir avec les rebelles. D'accord, on est obligé. Ouais. Il y avait une autre. Capable de la mention. Je me demande si celle-là, ouais, elle nous permet pas aussi de parler avec les rebelles. Oui, non, je sais pas. On va garder celle-là. Mais ouais, le jeu est très passable, alors que pour moi, il devrait être vachement bien, quoi. J'aurais bien voulu qu'il soit mieux. Yucatec. Défi tombeau à proximité. Comment on y rentre? Je peux pas utiliser mes armes, rien. Où est-ce que je suis? Où est-ce qu'on va, Lara? Ok, il y a des choses. Ah ah. Je vais m'empaler sur un truc à un moment. Mais faut les faire, parce que comme ça, ça fait des succès ou je sais pas trop quoi. Genre, c'est des petites missions à faire. Les sauts de l'ange. On y va.
En tout cas, j'ai rajouté une petite vidéo sur ma chaîne en parlant de Tomb Raider. Oh, on va mourir si on tombe. Ok, c'est parti. Pourquoi la caméra elle s'emballe? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être le temple que j'ai vu depuis la rivière. Sûrement. Sûrement, Lara. Qu'est-ce qu'elle fait, cette folle? Non, monte! Elle veut pas monter. Elle veut pas monter. Oh mon dieu, non. On va mourir. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Voilà, ça c'est un exemple. Ça arrivait dans le deuxième jeu, ça arrive dans le troisième jeu. Un peu plus, non, tu peux pas monter un peu plus. Voilà, double sauvage, très bien, très bien. Maintenant, côté gauche, très très bien. Tu vois, je te l'ai dit, c'est pas dur. Et voilà, et on y est. C'était tout con, hein, je l'avais dit. Tout est plein, je peux plus rien prendre. C'est bon ça de rentrer au ralenti comme ça. Feu de camp. J'ai dû arriver au bon moment. Les membres du culte étaient là il y a peu de temps. Combien de points? 2. Qu'est-ce qu'on prend? Perception boostée. Ah, c'est 3, on va attendre. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Alors du coup, s'il y avait un chemin de l'autre côté, c'est quoi? C'est la sortie? Je sais pas. C'est du slow motion, ça. Yucatec. Voilà. Du mam. Mmh.
pensais vraiment qu'il fallait l'ouvrir de... Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être ici qu'ils font leur rituel en l'honneur du soleil. Comment ça marche? Ils étaient forts, ces Aztèques. J'ai aucune chance si je tombe dans l'eau. Je peux pas traverser. Il faut que je revienne sur mes pas. Il y a pas vraiment de courant non plus quand même. Hein. On a eu pire hein, dans le deuxième jeu, je veux pas dire Lara. Non, sans doute. Oh, la caméra arrête de zoomer, je m'en tape. Tu veux que j'illumine celui-là d'au fond ou à gauche? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Elle a même des tatouages, je viens de remarquer. Enfin, c'est sûrement pas des tatouages, vraiment du dessin. Mais... Ils lui ont fait vraiment la totale. Hein. Ils lui ont donné des bijoux, la tenue et fait des dessins. Je peux pas traverser. Il faut que je revienne sur mes pas. Non mais ça va, j'ai compris. Là par contre, on va pas pouvoir s'accrocher. Il va falloir éclairer celui-là de l'autre côté, je crois. Celui-là, là, au fond, là. Ouais, c'est bon. Et changer tout ça contre Jonah, c'est ça. Maintenant ils l'ont découpé en petits dés, Jonah. C'est quoi ça, une porte? Voilà, c'est pas très dur l'énigme, mais c'est des va-et-vient à chaque fois. Où est-ce qu'on va? Alors celui-là.
D'accord, elle tourne toute seule apparemment. Il n'y a pas un reflet à faire. Là, on peut sauter au milieu, c'est ça? De là, on peut aller nulle part. En fait, faudrait qu'on puisse retourner... retourner de ce côté. Et après, il faut faire tac, tout droit. Maintenant. Allez. Qu'est-ce que c'est chiant ce ralentissement. Je sais que c'est pour aider, mais... c'est mal fait. Ah oui, non. Ah oui, oui, non, non. On est d'abord obligé de revenir. Ou alors si on fait monter ça là, ça va éclairer où ? On a la musique, je crois qu'on est bon. Mais c'est un putain de casse-tête. Voilà. C'est bon ? Ouais. Ah non, c'était ça, j'avais bon. Maintenant, me fais pas un saut à la couille. Ça quand même c'est catégorisé dans le puzzle chiant hein, parce que les allers-retours que tu te tapes, ça devrait être interdit. Hein. Alors maintenant comment on monte ?
fais pas de la merde, Lara. J'ai plus qu'à trouver une sortie. Augmente la quantité de ressources naturelles que vous pouvez récupérer pour fabriquer des objets de toutes sortes. Toutes les sources. Maintenant, il faut ressortir. On n'est pas sorti de l'affaire. Ah putain, c'est là. Oh la vache. Non ? Qu'est-ce que tu fais ? Lara! Merci. J'ai tellement cru qu'elle allait glitcher à travers le mur et mourir. Le stress, quoi. Yay! Pété. On a 3 points. Tenue ancestrale, on besoin. Non, on s'en fout. Utilisez des plantes concentrantes pour améliorer vos réactions et ralentir le temps quand vous visez. C'est pas mal ça. Fabriquer des grenades empoisonnées qui tuent les ennemis proches et obscurcit la vue. Ça, j'aime bien ça. Fusée éclairante, je sais toujours pas vraiment à quoi ça peut servir. Débloquer le prochain niveau d'amélioration d'armes. Ah! Résister aux dégâts des ennemis durant une courte laps de temps après avoir soigné vos blessures en combat. Non, on va obligé de prendre ce nom. On est obligé. Résister aux dégâts causés par les ennemis durant une courte laps de temps après avoir fait une élimination furtive. C'est bête, j'aurais bien voulu faire les améliorations de niveau 4, mais bon, pas grave. On les fera la prochaine fois. Alors, on est très limité ici. Vu qu'on est chez les Incas, là. Alors, où étions-nous arrêtés? On avait fait le... On avait récupéré le pouvoir. Donc, on avait une mission à faire.
Par contre, c'est où qu'on reparte là? On avait une mission à faire. C'était parler à 5 personnes. Je sais pas. Ah, en haut sûrement. C'est là-bas. Non. Attends, il y a le feu de camp là-haut. Il doit être à gauche là. Enfin, je crois. On se balade. Y'a pas des offrandes à piquer? Voilà. Voilà. Lara est une saloperie quand même. Elle pique les offrandes et tout quoi. On regarde ça. Ah mais je suis pas du tout au bon endroit. Pardon. Je suis pas du tout au bon endroit. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Quali, quali. Où est-ce qu'on est? C'est Lenzo. Bienvenue. Où est-ce qu'on... Oh mon dieu. Oh. Pourquoi il y aurait ça? Ok. D'accord. Apparemment, c'est un succès qu'il faut faire. Ça doit être par le bas alors. Oh la vache. Par où on passe? Jeune fille, je peux vous raconter une histoire? Non. Je la tiens. Non, merci. Excusez-moi, poussez-vous, je suis l'aventurière. Oh la vache. Là-bas. Aha! Tada! Je ne vois pas ce qui aurait pu me préparer au choc de cet endroit. Les habitants, leur histoire, tout ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont aujourd'hui. À l'écouter parler, Amaru, alias Dominguez, alias Kukulkan, ne cherche qu'à protéger Paititi. Mais j'ai vu tout ce qu'il est capable de faire. Tuer, torturer. Je dois l'arrêter. Personnellement, je suis pas très sûr qu'elle fait le bon choix, mais bon. Aujourd'hui, je... Bonjour. Vous faites partie des bannis? Oui, jeune fille. Yes. Je suis Shaska. Moi, c'est Lara. Pisco m'envoie. Pisco le mort? Pour me parler? Vous avez perdu au Patoli? Non. Un garçon, Taki, a perdu ses dés. J'essaye de les lui récupérer. Pisco veut que j'aille parler à tous ceux qui ont été bannis avant de me les rendre. Je suis surprise qu'il ne les ait pas remis en jeu. Mais si. Ah. Enfin, voilà ce que je peux vous dire. Comme Pisco, j'ai été bannie. J'ai perdu mon travail et mon statut. Mais ce n'était pas à cause d'un accident. C'était à cause de ce que j'ai fait. Et que je referai sans hésiter. Il s'est passé quoi? Vous avez des enfants? Non. Moi non plus. Je n'ai pas reçu la bénédiction d'Ishel. Mais j'ai supervisé les 3 accouchements de ma maîtresse. J'ai aimé ses enfants comme les miens, jusqu'à ce que je perde mon travail. Qu'avez-vous fait? Je suis une voleuse, Lara. Qu'est-ce que vous avez volé? Un collier de jade. Pourquoi? La plus jeune, Kayara, elle a vu le collier en se rendant chez une amie. Elle l'a pris. Ils allaient la punir. Il l'aurait banni, mais ce n'était qu'une enfant. Alors, je me suis accusée.
Ma maîtresse m'a pris le collier des mains et l'a jeté au sol, où il s'est brisé. Et elle m'a banni. Oh, je suis désolée. Il n'y a pas besoin. Je le referai sans hésiter. Kayara a retenu la leçon. Elle mène une vie normale. Quant à moi, je sers désormais Ishel en tissant, comme ma mère me l'a appris. Et Kayara vient parfois me rendre visite. Merci pour cette histoire, Shaska. Kayara a de la chance de vous avoir. Bonne chance, jeune fille. Ben merci pour cette histoire. C'était très très intéressant.